Et bonjour à tous, les amis, et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre aventure complète dans lequel nous allons nous attaquer au temple du temps. Je ne sais absolument pas ce qui nous attend dans ce truc. Tout ce que je sais, c'est qu'il pue la classe. Que quand on l'ouvre, on a une vibration très bien pensée de la manette pro, et des Joy-Con aussi, hein. Et puis du coup, c'est parti, je me tais, je vous laisse en profiter. Ah, ça ressemble au petit truc que le monstre avait fait tomber là, dans les sous-sols du château d'Hyrule. Là, c'est beaucoup plus gros, mais c'est exactement la même forme, la même couleur. Serait-ce une larme du royaume? Ce pouvoir permet d'inverser le mouvement d'un objet afin de le faire revenir vers son emplacement précédent. D'accord, c'est le rewind. L'écho d'une puissante volonté de Zelda. Oh là 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 là, je sens qu'on va réfléchir avec ce jeu. Vraiment. Alors, on va envoyer du rewind ici par exemple. Pardon. Qu'est-ce que ça fait? Ah, ok, ça va me permettre de monter au-dessus. Allez. C'est bientôt la fin du pouvoir. Ok, super. Mais c'est un nouveau pouvoir, j'ai l'impression d'avoir fait ça tous les jours. C'est tellement instinctif et fluide. C'est ouf. What? Ça va me tuer. C'est comme le truc avec l'arme. Ok, donc en fait les lueurs, c'est bien 4 comme les emblèmes.
Ok. Ah bah enfin! Enfin on a le TP! Ok. Top. Il était juste là, je l'ai pas vu? Ou il va se débloquer après? Il me semble que ça se débloque après. Ah bah oui, mais c'était là, je pouvais pas. Ok. Ok. Je me rappelle d'ici. C'est le tout début du jeu. Mince. Ah ouais, mais je suis censé monter comment là-dessus? Il grimpe le mur. Il ne grimpe pas le mur. Est-ce que je peux faire un saut? Ouais, je peux. Et demi-tour. Allez. Qu'est-ce que tu veux? Sauter. Ok. Let's go. Logique, logique. Est-ce que je peux le choper là-bas? Qu'il fasse demi-tour. Attends, attends. Ah. Ah ouais, mais attends. Oh là là, trop bien! Oh mais excellent! Même la chute en fait, tu peux la faire à l'envers. Oh là là! What a game! Et là 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 là. Ouais, ça c'est cool les flèches. On aime les flèches par ici. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ok. Ah non! Ah
Oh non, j'ai fait n'importe quoi, je les ai... Non ! Y'a pas le truc pour figer, plutôt ? J'ai déconné ! Ok, c'est bon. Il faut que ce soit les deux soient dans le même sens. C'est bon, on s'en fiche, tu peux m'enfermer maintenant. Par contre, l'histoire de la porte qui me bloque là. Et que je dois ouvrir avec mes propres cœurs, ça va me poser problème. Parce que moi, ces 4 lueurs, j'aurais voulu les investir déjà dans l'endurance. C'est un truc qui m'embête à chaque fois, l'endurance. Mais là, je vais être forcé de me prendre un 4e cœur. C'est pas grave. Hein. Ok, donc on peut améliorer sa batterie. Profondeur de la Terre. Ok. Et du coup, lui, je note, ce sera à côté du sanctuaire de Nachoya. Il y aura le gars pour améliorer sa petite batterie. Ouh là là, j'imagine que là, on peut se faire avec un moteur. On peut se faire un avion, quoi. Et partir en mode vers le volcan de Breath of the Wild. Et les îles. Mais quel plaisir. Incroyable. Bon, nous on va retourner là par contre. Y a pas de TP, ben on va se TP ici. C'est pas très loin. Sanctuaire de Uko Uho. Huck.
Bon, ils auraient pu mettre un petit point de TP juste devant la porte. Hein. En fait, on n'a même pas le choix là, pour l'endurance ou le cœur. J'ai bugué. J'ai appuyé sur B au lieu de A. Oh là là, c'était beau ça. Ce plan, il était beau. Parfait. Tu as réussi à ouvrir la porte. L'attaque de miasme que tu as subie a affaibli ton corps. Tu es encore loin d'avoir retrouvé toutes tes forces. Mais les choses s'arrangent cependant, grâce aux lueurs bienfaisantes des quatre sanctuaires. Leur lumière a dissipé une partie des miasmes qui te rongent. Nous ne nous serons pas côtoyés très longtemps, mais j'ai pu faire ta connaissance. Et je m'en réjouis. Zelda avait raison à ton sujet. Prends soin d'elle. Je te la confie. Comment est-ce qu'il connaît Zelda, Raoru? C'est pas un mec d'une civilisation antique qui date d'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années? Oh là là, j'ai envie de savoir! Comment je suis censé descendre? Enfin monter? Ah oui! Bah oui! Mon pouvoir! C'est lequel? Je l'ai pas beaucoup utilisé, c'est lui. Let's go! Quoi? Tout de suite une autre lueur? Mais franchement, avec ces trucs qu'ils ont inventés là, ils ont dû mais tellement se régaler en termes de level design. What the heck is this?
Je t'en prie, retrouve-moi. Bah. Retour en Hyrule. Oh là là, mais c'est quoi ce jeu ? On y retourne. Et là, en fait, j'ai juste à tomber dans l'eau, ça me fera pas de dégâts. J'espère qu'il y a encore la paravoile, par contre. LE paravoile. Le château. Le castle. Oh my god. J'ai envie d'aller là-bas tout de suite. Bon attends, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je dois aller là. Comment on monte sur ces îles maintenant? Comment on retourne? Je pense qu'on va la prendre. Et j'ai vu qu'à côté de l'objectif là, il y avait aussi un. Ah non, il est juste là. Ça vous dit qu'on aille le faire? Je pense que vous avez tous répondu oui. Je vous entends dans le futur en train de dire ouais, va le faire. On ira au point jaune plus tard. Suivre le point jaune, de toute façon, c'est pour les jeux éclatés. Sur quoi faire Zio Signo, bien évidemment. Allez. En espérant que ce soit pas un vieux sanctuaire, épreuve extrême de force, je sais pas quoi. Les rotations savantes. En plus, avec tout ce qui a été introduit maintenant, comme nouveau pouvoir. D'ailleurs, je sais pas si on va retrouver les anciens pouvoirs. Eh bien... Je sais pas si on... en fait, ça donne... Comme je disais tout à l'heure, ils se sont fait plaisir avec le LD. Mais ça donnerait effectivement... énormément de possibilités. Genre imaginez que... Ah ouais, trop bien. Ouais, j'allais dire imaginez que... Il crée un... Ah mais saute. Crée un éditeur de sanctuaire. Moi, je me régalerais à créer des trucs avec toutes les fonctionnalités qu'ils ont mis en place, quoi. C'est le plus fun dans le développement d'un jeu, je trouve. Alors. Là, il va falloir maintenir R, faire pivoter. Alors, pas forcément comme ça. Comme ça. Non. Ah si, on est bon là. N'abusons pas.
Alors là, ça fait escalier, c'est cool. Quoi ? J'ai une idée. J'ai déjà une idée. Eh ouais, je l'ai vu le symbole. Bien sûr que je l'ai vu le symbole. Eh ouais ! Vous allez pas me la faire à moi. 30 ans que je joue aux jeux vidéo. Oh bien, ça augmente la vitesse. Alors il faut que j'arrive à faire passer ça ici. Je vais forcer. Ah non, 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 c'est bon, c'est comme ça. Faire pareil. Ah, il fait jour, visiblement. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh.
Je pense que si j'avais pu faire du feu ici, ça aurait été bon. Ah mais je vais peut-être avoir besoin de monter sur cette tour en vrai. Chercher partout. T'es pas un fantôme au moins, hein? Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? Bon, tu vas tout me raconter. Je veux un rapport des plus détaillés. Donc, Dame Zelda et toi, vous êtes allés explorer le château d'Hyrule. Au plus profond du sous-sol, vous avez trouvé une momie. Et elle s'est réveillée sous vos yeux. Dame Zelda a disparu dans les entrailles de la terre. Oh, c'est à ce moment-là que le château s'est mis à léviter et que tout un tas de ruines sont tombées du ciel. Toi, tu t'es retrouvé sur une île volante et c'est le bras qui était accroché à la momie qui t'a sauvé. Après ça, une drôle de créature t'a remis la tablette Proua. Et tu as découvert que le bras appartenait à un certain Raoru. L'épée de légende a disparu. Et tu es arrivé ici guidé par la voix de Dame Zelda. J'ai bien tout compris?
Ah. Je vois. Eh bien les amis, cet épisode de l'aventure complète sur Tears of the Kingdom touche à sa fin. Et au prochain, on ira voir ce qui se passe dans ce château. Allez, bye bye, ciao !